Et y'a tout le monde, c'est Delta Dragon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le showcase de la résurrection du Ichigo Guerre Sanglante Vague 4. Donc, comme vous pouvez voir, le mien est full transcendé. On va en parler. On va équiper le perso, le tester, voir ce que ça donne après plusieurs années de jeu quand même. Donc, on a ici affaire à un personnage Shinigami, tueur de Shinigami. Catégorie instinct. Le mien a des stats quand même relativement bien montées étant donné qu'il est full transcendé. Sa spé, le véritable Zangetsu. Après avoir lancé un Getsu Gatensho, tranche avec le véritable Zangetsu, infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc la spé ne cause pas d'altération d'état, mais elle reste quand même relativement efficace, surtout en étant spé 5. C'est un personnage qui possède nativement du temps de recharge à hauteur de 12% et qui, en plus de ça, se voit ajouter une perfection plus 16%. Ce qui est en soi une très bonne chose pour le personnage, mais aussi un soul très très fort pour l'avoir en tant que Link. Ce Ichigo est un attaquant rouge, donc il possède deux phases, une principale et une secondaire. La secondaire va s'activer lorsqu'on utilisera le boost, ce qui va changer les animations de ses attaques et les rendre aussi beaucoup plus puissantes. Ce personnage fait partie de l'ère des personnages où il n'y avait pas encore les compétences innées, donc vous n'aurez pas les compétences de base. Compétences, la première, on a attaque normale dévastatrice à hauteur de 20%. C'est pas un perso que vous allez beaucoup utiliser au corps à corps. Il a une attaque spéciale renforcée à hauteur de 40%, ce qui est pas mal pour un personnage qui n'afflige pas d'altération d'état. L'attaque puissante rapide et la perfection sont ici via ses soul traits. Ichigo possède deux résistances, une à la paralysie et une à la faiblesse à hauteur de 100%, ce qui est quand même très fort à l'époque, puisque c'était déjà très rare d'avoir une seule résistance, mais en plus d'en avoir deux différentes, c'était quand même relativement fort. Il a les attaques puissantes déchaînées plus 1, ce qui se prend largement, hein. Il possède le soutien qui va permettre aux alliés de bénéficier du boost en même temps que l'Ichigo, un petit rapidité plus 1, et toujours via la résurrection, il a un appui, ce qui fait que ça augmente encore les valeurs de boost de son boost. C'est rare d'avoir ça sur le jeu, il me semble, donc du coup, c'est sympathique de l'avoir sur un perso qui donne un boost, et ça reste toujours une très bonne compétence. Pour ce qui est de l'équipement de ce Ichigo, on va rester sur le traditionnel 7-2T, pilule fortifiante et un signe de vie capitaine, tous augmentés de 30% de pression spirituelle afin de maximiser les stats offensives du personnage et l'amener à une valeur de stats quand même relativement forte étant donné que ça nous monte à quasiment 5700 de pression spirituelle. Pour les soul traits, je privilégie deux temps de recharge et de la perfection. J'ai mis le Shuei parce qu'il est full transcendé et que mon Aizen est en équipe. Et je ne l'ai pas monté T20, mais je vous conseillerais de mettre un petit perfection ainsi que potentiellement ou un brise-armure ou un enfouissement annulé pour pouvoir vous permettre d'être tranquille pendant des runs. Bon, comme vous avez pu voir, il y a un joli Tensa Zangetsu qui est lancé dès le début de la quête. J'étais évidemment en auto. Donc, la Strong 1, ça va être un dash vers l'avant. Donc, qui fait quand même relativement beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez voir, hop, des petits 22 000 x 2. On va utiliser le boost. Comme vous pouvez voir, l'apparence a changé puisqu'il a une corne. Je vous spoilerai pas de pourquoi il a une corne pour ceux qui n'ont pas regardé le manga. Et vous voyez quand même, il fait de bonnes valeurs de dégâts. Il va quand même assez vite à runner. Moi j'aime bien ces attaques, le petit full screen est tout simplement basique, hein. Il n'y a pas de truc de dingue. Hop, ce qui est cool c'est que on se booste quand même relativement souvent, les valeurs du perso sont bonnes, après je l'ai transcendé aussi bien, comme vous pouvez voir, hop, il n'y a pas de hit en général, sauf contre les Arrancars, qui évidemment ne sont pas le killer du personnage. On est en potion parce que c'est là qu'il y a des Shinigami, hop, et c'est là qu'on peut voir le vrai potentiel du personnage. Du coup, j'ai pas grand chose à dire sur le personnage à part qu'il est quand même totalement jouable. Après, bien évidemment, si vous l'avez, montez-le. Ça reste un très bon soul trait. Si jamais vous voulez l'utiliser en Link, parce qu'un perfection plus un temps de recharge c'est très bon. Je vais vous laisser avec l'aspect. Vous allez voir, elle est magnifique. Merde, j'ai pris un allié. Ok, faut que je le tue avant qu'il utilise son. Cette spé est incroyable. Autant en termes de visuel qu'en termes sonore, le petit son qui s'arrête quand l'épée se brise, hâte de voir cette scène dans l'animé. Comme d'habitude, petit tour par l'album. Donc comme vous pouvez voir, depuis la sortie du Ichigo, il y a quand même eu énormément de très bons personnages qui sont sortis. Quasiment tous, mis à part peut-être la Riruka et le Ichigo de la tour,
sont jouables. Parce que Ryuka elle est un petit peu en dessous de ce qui est aujourd'hui. Mais quasiment tous les persos sont jouables. Donc il n'y a pas énorme. Par contre, on peut essayer de réduire la liste en regardant avec les Shinigami. Mais comme vous pouvez voir, il y a encore une ligne complète en haut de personnages qui sont aussi bien que ceux Ichigo. En tout cas, n'hésitez pas à le monter comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça en fera un très bon link, étant donné qu'un temps de recherche perfection, on n'en a pas beaucoup. Si vous l'avez avec plusieurs spé, n'hésitez pas à le monter, puisque ça fera des stats en plus. Et ça reste un personnage qui est totalement jouable et viable, comme vous avez pu le voir dans le gameplay. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Ichigo. J'ai dû tourner deux fois cette vidéo, puisque en fait, j'ai tourné le showcase une fois, et j'ai totalement oublié de mettre le micro en route. Donc en fait, j'ai enregistré juste du gameplay. Donc j'ai un petit peu les boules parce que j'ai tourné trois gameplays de perso à l'avance. Et ces trois gameplays, je vais devoir les refaire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve prochainement pour les autres personnages de la Guerre Sanglante 4, Sophie Watch parce que je ne l'ai pas. Et sur ce, ciao.